y a plusieurs histoires, trois histoires principales qui se mélangent. Le point de départ du livre, c'est vraiment la figure d'Ava Gardner et l'été 58 à Rome, où elle tournait un film qui s'appelle La Maja Desnuda. Et là, le roman imagine que lors d'une soirée arrosée, avec le chef opérateur du film, dans son studio, elle a posé nue en reprenant des grands nus de l'histoire de la peinture, dont L'origine du monde. Donc elle a posé nue pour ce photographe. Et tout le livre suit l'histoire de ces quatre photographies et les pérégrinations de ces photographies à travers les époques et à travers aussi les lieux, puisque ces photographies voyagent de Rome à Madrid, de Madrid à Hollywood, de Hollywood à Paris. Donc le premier fil narrateur, c'est Ava Gardner et ses photographies. Le deuxième fil narratif, c'est L'origine du monde et la commande faite à Courbet et la pose pour ce tableau. Et c'est ce qui s'est imposé après, au début de l'écriture. J'ai senti qu'il fallait qu'il y ait un seul narrateur qui porte tout le récit. Et donc c'est Jacques Pierre, le narrateur, qui part à la recherche de ces photographies. Et en fait, c'est moins une enquête sur l'origine du monde qu'une quête de ses propres origines. Et donc, au fur et à mesure, il revient sur son enfance, sa jeunesse, son engagement politique. Donc, les trois fils sont totalement tressés. Une actrice qui me déplaisait pas, on va dire. Et en fait, c'est quand j'ai appris qu'elle avait tourné ce film, qui est vraiment un film oubliable, La Maja Desnuda, je me suis posé la question, est-ce qu'elle avait posé nue dans le film? C'est comme ça qu'est venue l'idée. Et j'ai appris après que Federico Fellini, 2 ans plus tard, quand il a fait La Dolce Vita, avait pris Ava Gardner comme modèle pour le personnage d'Anita Ekberg. Et Ava Gardner, en fait, était poursuivie par les paparazzi durant, et comme elle avait une vie plutôt dissolue, à Rome, donc écumant les bars et les boîtes de nuit, elle était une proie idéale pour les paparazzi. Et donc, tout ça s'est peu à peu articulé pour produire un roman autour de l'image et de la photographie. Mais on ne sait jamais si ces photographies ont réellement existé ou si elles ne sont pas finalement le fruit de la rêverie du narrateur. Il y a des faits et des événements qu'on peut vérifier qui sont réels dans le livre, et d'autres, au contraire, il y a des insuffisances de la documentation qui fait que là peut se créer la fiction, peut s'engouffrer un début de fiction. Et ça m'intéresse de mettre en tension la réalité et les échappées fictionnelles.